Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une autre vidéo, une seconde vidéo pour ma participation au concours de Morgane Fimo. Alors voilà, je voulais la remercier pour son concours et tout, voilà. Bon, je vais me dépêcher et je vais essayer que ma vidéo ne dure pas trop longtemps. Alors on va commencer à... J'ai fait 15 créas, enfin voilà, j'ai fait des créas exprès pour ton concours. C'est moi, je préfère faire des créas pour les concours. Je préfère m'y mettre à fond. Alors voilà, j'ai rempli toutes les conditions. J'ai tout respecté. Je me suis abonnée à ta chaîne, j'ai mis ma vidéo, j'ai posté des commentaires. Enfin bref, j'ai tout respecté. Alors je vais commencer par des macarons, je vais faire par thème hein, parce que sinon ça va être trop compliqué. Alors, j'ai ce macaron, celui-là, après j'ai été détaillé, hein, et celui-là. Alors, ce macaron, c'est un macaron rouge avec enfin, la cerise ganachée à la fraise avec sa petite chantilly à la fraise, son coulis de chocolat et sa petite chantilly. Voilà, on range mes ça de côté. Mon autre, c'est chocolat fraise, pardon, avec des petites pointes de fraise et mon petit nœud à la fraise. Enfin, couleur. Enfin, une couleur que j'ai fabriquée moi-même d'ailleurs. Et mon autre, c'est un macaron avec le drapeau d'Angleterre. Voilà. Avec ganaché à la chantilly, voilà. Vous voyez? Avec les deux coques avec le drapeau. Alors après, je vais passer au truc, pardon, au cupcake. Alors il y a celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Alors je vais commencer par lui. C'est un cupcake automne avec de la chantilly, avec des feuilles mortes, dont le thème automne. Ce cupcake, c'est un cupcake avec la base rose, chantilly et petit point pour la pâtisserie et un petit BN derrière, voilà, comme ceci. Ensuite, un petit cupcake mariage avec le colis chocolat et les petites roses sur le dessus avec la base blanche. Et je voulais dire, tout est texturé. Hein. Alors voilà, alors ça, c'est aussi un cupcake. Alors avec la base à pois, pardon, point blanc. Alors là, c'est trois petits points blancs avec une feuille automne, vous voyez. Avec un coulis rouge pour rappeler le tel, la base et la petite feuille. Voilà. Alors après, je vais passer à mes chibis. J'en ai fait deux. Enfin, là, je vais t'en présenter deux. Alors là, pour l'instant, je t'ai montré cette création. Ensuite, il y a ma petite chibi pâtissière avec sa petite toque de pâtissière, ses petits cheveux derrière comme ceci, son petit habillé, ses petits boutons, sa petite assiette, sa petite trilogie de macarons. Voilà. Ensuite, une autre chibi où j'ai choisi de ne pas faire le visage, qui rentre dans le thème automne aussi, avec son petit cupcake comme ça, à cause de son champignon qu'elle tient à la main. Elle a un gilet rouge, une robe rose et ses petits bras et ses petits pieds. Et elle a des bouclettes noires comme ceci. Ensuite, j'ai fait la langue des Rolling Stones avec le drapeau d'Angleterre. Voilà. Ensuite, j'ai fait un petit millefeuille. Voilà, comme ceci, avec la chantilly. Pardon, pardon pour mes doigts aussi. Avec la chantilly, voilà, qui déborde. Alors, aussi, mes créations ne sont pas montées en ce moment, je le dis. Je le dis, je n'ai pas le temps. Ensuite, mon petit esquimau. Avec effet croqué, vanille à l'intérieur. Comme ceci. Après, mon Kinder Bueno.
Voilà, mon Kinder Bueno avec la petite noisette qui sort. Là, que je vais accrocher en pendentif. Alors là, je t'ai montré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 créations. Et il en manque 2. Alors, pour les deux créas restantes, je vais te montrer. Pardon. Je vais te montrer 7 chibis aussi. Danseuse. Voilà. Et une petite religieuse avec de la chantilly dessus et des petits points de chantilly à côté. Voilà. Voilà. Alors, je voulais encore te remercier pour ton concours et je dis bonne chance à toutes les participantes et je vous dis à bientôt. Au revoir.